Ok, bonsoir à tous, bonsoir Bernard, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Gaëtan. Eh oui, nous avons Gaëtan en direct et en image. On n'arrête pas le progrès. Bonsoir Eric, bonsoir Réal, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Bonsoir André et bonsoir Patrick. Bah, c'est bien, il y a du monde ce soir. Ok, donc on commence. Alors, une petite nouveauté là. Vous avez dû voir apparaître ça la semaine dernière. Maintenant, au lieu de faire une seule vidéo d'Agora, j'en fais 6. Donc, en fait, je découpe cette séance en 6 morceaux. Donc, ce n'est pas un montage que je fais après sur un banc de montage, mais je fais directement. Donc, ce qui fait que, voilà, ça permet de découper en 6, ce qui fait que bah, si vous voulez revoir simplement une partie, c'est beaucoup plus facile pour vous. Et ce que j'ai fait tout au long de la semaine, c'est que je vous ai envoyé un email par partie. Et puis quelqu'un m'a dit, bah, finalement, ça fait beaucoup d'emails quoi, pour tout ça, pour revoir une seule séance d'Agora. Ce n'était pas la peine d'en faire autant. Et pourquoi ne pas faire un seul email? Ben, j'ai dit, après tout, oui, ce serait. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé avant. Mais voilà, donc maintenant, je vais faire ça pour demain. Je vais faire un seul email et je vous mettrai le titre des 6 parties. Et puis après, vous pourrez aller directement sur la chaîne YouTube pour aller voir tout ça. OK? Voilà, super. Alors, nous commençons avec le programme de ce soir. Donc, je partage mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Si vous le voyez, dites oui avec la tête. Vous voyez quelque chose là? OK, super. Je ne sais jamais, je préfère vérifier. Donc, voilà, donc c'est l'Agora numéro 23, 22, pardon, 22, ça commence bien. Donc nous sommes le 15 février. Non, alors j'ai mis mardi, en fait on est mercredi aujourd'hui. Bon, c'est vrai que normalement on devait faire ça le mardi 14 février, mais il y a une fête en France qui s'appelle la Saint-Valentin et pas qu'en France d'ailleurs. Et comme je ne voulais pas que tout le monde divorce à cause de moi, voilà, on a décalé à ce soir. Ok, alors le programme de la soirée. Donc, tout d'abord, réponse à vos questions envoyées par email. Donc, ça, c'est traditionnel. En fait, hein, plutôt que de répondre du tac au tac par email, sauf évidemment aux questions urgentes, eh bien, j'attends une semaine pour vous répondre et je vous réponds en direct pendant l'Agora. Donc, ensuite, vous les réponses à vos questions en direct. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez une fenêtre de discussion sur la droite et donc, posez vos questions dès maintenant. De toute façon, je vais répondre à vos questions tout au long de la séance. C'est-à-dire qu'en fait, avant, je faisais une simple séance de questions-réponses. Mais bon, comme il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps, dès que vous avez une question à poser, vous la mettez. Je vois que Bernard boit à notre santé. vous mettez votre question dans la fenêtre de discussion et j'y réponds au fur et à mesure. Et puis, si j'ai besoin de précision, ben, je vous donne la parole. Donc, en fait, j'ai muté votre micro pour éviter les interférences. Mais dès que vous avez besoin, si vous avez une question à poser et que vous pensez que ça va être un peu long de l'écrire dans la fenêtre de discussion, vous pouvez aussi vous manifester, vous lever la main ou lever le doigt comme à l'école et je vous donnerai la parole. OK? Ensuite, apprenez à jouer des standards de Gershwin. Donc, ça, c'est un nouveau cycle de 4 vidéos dont j'en parle tout à l'heure. Il y avait une chanson française, maintenant c'est du jazz. Apprenez à utiliser les outils informatiques. J'en ai déjà parlé la fois dernière, mais je reparle encore aujourd'hui parce que je veux vous en parler encore jusqu'à la fin du mois de février. La semaine Canal 16, j'ai complètement oublié de vous parler de ça la fois dernière. Donc, je vous reparle de ça ce soir. J'espère que je vais y penser cette fois. Le coup de cœur du soir, c'est, vous savez que maintenant, enfin, je vous parle de, enfin, ça fait un moment d'ailleurs que je vous parle de mes coups de cœur. Donc, ça peut être des disques, des DVD, des sorties, des choses comme ça. Et là, il s'agit d'un groupe qui s'appelle Zanella Trio. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est vraiment sympa. On va écouter beaucoup de musique ce soir. Et puis, bien sûr, la programmation de l'Agora numéro 13. OK. Donc là, c'était le programme de ce soir. Tac.